J'ai besoin que d'un bref instant de ton temps. Lutte de menace. Ce sera pas long. Bien, ça va pas durer longtemps. On peut parler, s'il te plaît. Plus de menaces. Thank you.
machines. On dirait qu'on les a enchaînées. Derval est bricoleur. Il fait sûrement des expériences sur elles, ou bien il les démonte. Je peux peut-être m'en servir pour semer la panique. Je passe devant. Attends ici que la bagarre commence. Très bien. On va te couvrir. Les hommes de Derval. Ça va tourner. J'espère bien. Thank you.
ses pattes, elle est aussi rapide que bruyante. Je dois rester sur mes gardes. Val dit que tu dois mordre la poussière. On m'a vu. C'est parti. J'approche. Faut finir. À l'intérieur. Il faut qu'on entre. Ils doivent utiliser ça pour se protéger de cet horrible bruit. Eren, Derval a tenté de me briser. Il m'a montré ce qu'il savait. J'aurais dû être avec toi. Pourquoi tu m'as pas emmené? Je sais très bien que je suis qu'un pauvre ivrogne, mais... Non, idiot. J'ai reçu un message de Derval. Il demandait des pourparlers. Je t'ai pas prévenu parce que je savais que c'était un piège. Je voulais te protéger. Je pensais pas que ce piège serait si efficace. Je croyais pouvoir l'éliminer. Écoute-moi. Derval prévoit de frapper fort sur Méridian. Il a dit qu'il forcerait Avad à regarder la fumée obscurcir leur précieux soleil.
ton roi a besoin de toi. Finis de jouer maintenant. Tu dois prendre tes responsabilités. Très bien. Compte sur moi. Ne me déçois pas, petit frère. Ersa. Non, non, pitié. Je serai à la hauteur. Je te le jure. Erend. Je suis désolée. Il faut qu'on trouve Derval. Mais Meridian est immense. Je vais fouiller ses affaires. On trouvera peut-être des indices. C'est un dispositif étrange. Très bien conçu. Qu'est-ce qui se passe si je l'allume ? Je crois que ça fonctionne. Voilà. Allez. Allez, mes chéris, dites-moi quelque chose. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Et tu dis ce que tu veux. Je veux juste entendre votre voix et la garder plus tard. Papa, je chante. La 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 la. Chanson et un rire, c'est encore mieux que des mots. Et je pourrais les écouter à tout moment. C'est terminé? Alors au lit, petite puce. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Elle est partie. Qu'est-ce qu'on va faire? Les raids se rapprochent de Prime Source. Combien de temps est-ce qu'on pourra encore se cacher? Un souvenir de sa famille. Derval n'a plus rien à perdre. Cette machine a été démontée avec précision. Qu'a bien pu apprendre Derval en trafiquant ces machines? Est-ce que je veux le savoir? Les archives de Derval? Des notes de fabrication. Et une lettre glissée entre les pages. De la flambée, en direction de Meridian. Si on la trouve, on trouvera sans doute Derval. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Retournons au palais. Vas-y. Je te suivrai, mais je dois m'occuper de ma sœur. Picote.
t'aventure dans les terres au sud. Prie le soleil pour ne jamais tomber sur le Gueldora. Pendant ton prochain combat, tu regretteras certainement de ne pas t'être arrêté. Je n'ai que des produits. C'est formidable. De bons produits, un très bon rapport qualité de soleil qui se reflète. Tout le monde a besoin de couleurs. Allez, viens, parlons un peu. De quoi tu voulais me parler ? Tu es une étrangère, non ? Une aventurière ? J'étais comme toi avant. Je l'avoue, les couleurs de la nature me manquent tellement. En parlant de ça, je me demandais si tu avais trouvé des fleurs très spéciales. Elles sont en métal, comme une machine. D'autres fleurs poussent autour en formant des motifs incroyables. Ces beautés merveilleuses sont très recherchées par mes clients. Si tu m'en apportes, j'ai des articles de valeur à échanger. Tu as dit que tu étais aventurier ? C'est exact. Les nobles de Méridian recherchent des fleurs pour leurs balcons et jardins. Alors je suis parti, avec un arc et une lance. Je me suis fait un nom en recherchant les fleurs les plus rares des terres sauvages. Aucun bandit et aucune machine ne m'empêchaient de les trouver. Et après ça ? L'amour, ma chère. Ma bien-aimée s'inquiète quand je pars en expédition. Alors je récupère les fleurs auprès des gens sans attache. Et ça vaut le coup ? D'être coincé comme ça ? Bien sûr. La liberté est douce. Mais l'étreinte de ma belle Théradine est plus douce encore. Ces fleurs de métal, d'où elles viennent au juste ? Personne ne le sait. Certains disent qu'elles sont apparues il y a 20 ans quand les machines sont devenues folles. Elles jaillissent peut-être des larmes du soleil. Il a bien des visages, tu sais. Furieux un jour, paisible le lendemain, les souffrances provoquées par sa rage le font peut-être pleurer. Ah, marchons donc un peu pour ces merveilles. À la prochaine fois, noble Nora. Tu aurais un moment, étrangère ? Je n'ai que des produits de première nécessité. Puis nous resterons séparés du chargeur de l'ombre. Tu ne trouveras pas mieux. M'a postulé pour vous. J'ai envoyé quelqu'un à la requête pour prévenir tout le monde. Si jamais ton clan ou toi avait besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. On verra tout ça plus tard. Aloy. Heureux de te voir. C'est bien triste pour Ersa. Apprendre qu'elle est en vie, puis la perdre, que c'est cruel. Elle voudrait pas qu'on perde de temps. Elle voudrait qu'on retrouve Derval. Elle disait qu'il parlait d'une fumée occultant le soleil. Dis-lui ce que t'as vu dans ses papiers. Une lettre. Une histoire de flambée, envoyée dans un entrepôt du coin.
Sauf qu'elle n'était pas pour Derval, mais pour Elund le Forgeron. Vous avez déjà entendu ce nom ? Ça me dit quelque chose. Oui, un propriétaire. Plusieurs Océras m'ont acheté des immeubles en ville. Je crois que c'est l'un d'entre eux. Attends, c'est à côté de la Messa, près du temple. C'était une boutique, mais ça peut faire office d'entrepôt. Si Derval a acheté l'endroit sous un nom d'emprunt, il y est peut-être en ce moment. Je rassemble mes hommes. Je vous rejoins. Eren, attends. Rappelle-toi que Derval est haï par ta tribu. Les clans paieraient très cher pour sa capture. Le prendre vivant, pour que tu puisses leur vendre, c'est hors de question! Notre sécurité dépend du maintien de la paix. Si l'occasion se présente, capture le vivant. Ceci est un ordre. Aloy, un instant, s'il te plaît. Quand nous avons parlé, Erend n'a pas voulu s'étendre sur les détails de la mort d'Ersa, ce que je comprends très bien. Mais comme justement je ne sais pas ce qui s'est passé, cette question m'obsède en permanence. Tu étais là. A-t-elle souffert ? Ce n'est plus elle qui souffre maintenant. C'est vous. Vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir. Ça se voit tant que ça ? C'est vrai. Ma douleur me hante. Plus que tout. Et je ne vois qu'une chose qui pourra m'apaiser. Trouve Derval et apporte-le-moi. Il répondra de ses crimes. Ici. T'es là, Derval ? J'ai une surprise pour toi. À moins qu'il ait une surprise pour nous. C'est une bombe. Elle est pas bien grosse. Assez pour nous tuer ? Ok. Je me tais. C'est une bombe. Et bien conçu. De la flambée. Il doit y avoir un réservoir qui fuit à l'étage.
Si j'essaie de la démonter, le mécanisme va l'amorcer. Si la bombe explose, fait beaucoup de flambées. Cette flambée embrasera toute la ville. Si jamais la bombe en bas explose, l'annonce de Derval se réalisera. La fumée cachera le soleil. Et la ville sera la proie des flammes. On doit absolument empêcher ça. Je pourrais peut-être ouvrir cette fenêtre pour me débarrasser du combustible de la bombe. Ces attaches sont en bois. Pas très résistants. Aide-moi à la sortir. Ok, tout en force, je sais faire. Ça fera quoi? Ça sauvera la ville, j'espère. Mais quand la flambée tombera, prends la fuite. Parce qu'à cause du piège, la bombe au rez-de-chaussée va être amorcée. Et, on va survivre? Je pense pas. On pousse. On l'a fait. Le plan de Derval est déjoué. Et Méridian sauvé. C'est pas terminé. Derval voulait absolument qu'Avad y assiste. Impossible. Il faudrait qu'il entre dans le palais. Il est trop bien gardé. Retourne-y, on sait jamais. Je vais fouiller les lieux. Les hommes de Derval ont peut-être laissé des traces en posant la bombe. Ça marche. T'inquiète pas. S'il tente d'entrer dans le palais, il est mort. Des empreintes de pas, avec de la flambée. J'espérais que ça ne se reproduirait jamais. Proposez une part raisonnable dans le... Rejoignez l'incendie et faites passer les sauts. Qu'est-il arrivé? Je n'avais pas entendu une telle explosion depuis la libération. Il y aurait un moment, étrangère. De la fumée s'échappe du bord de la Mesa. Est-ce qu'on nous attaque? Les traces mènent à l'intérieur. Une autre cachette de Derval? C'est sûrement là que Derval a fabriqué le détonateur. Oh non! Il a détruit le mur! Derval a bien trouvé un moyen de pénétrer dans le palais. J'aimerais bien être là-bas pour voir le dieu soleil à genoux. Arrête de râler, imbécile. Faut bien que quelqu'un surveille l'arrière.
Surveille plutôt ton arrière à toi. J'en aurais besoin. Ah, mon cher Avad, le petit avorton frétillant d'un roi dément. Tu m'as volé le droit d'abattre ton père, alors je me contenterai de toi. Je vais me délecter de voir brûler les Karja, mais le mieux, c'est que tu regarderas le spectacle avec moi. Fais tes adieux à Méridian, Avad. Respire la fumée et étouffe-toi des cendres. Ça ne marche pas. Je n'ai rien entendu! Il y a un peu de fumée vers le bord de la Mesa. Non! Ça devait être un incendie! Pas une flamèche de feu de cheminée! J'ai plus de place. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est toi, la Nora, qui a piégé mon camp, non? Et neutralisé ta bombe. Tiens donc. Eh bien, bon ou pas, je vais éclabousser ce trône de sang. Le tien, d'abord, puis celui d'Avad. Mieux là. C'est pas encore terminé, Nora. Tout bon artisan au Céram te le dira. Il faut toujours avoir trois plans. Yes.
J'aurais tellement préféré qu'Ersa soit là pour t'abattre. Mais je vais le faire, pour elle. Vas-y. J'ai pas peur. Te connaissant, Eren, tu vas échouer. Je sais de quoi tu as peur. Rentrer captif à Primesource. Tous les clans de la Requête veulent ta peau. Ils sauront faire durer le plaisir. Et ils se battront pour t'avoir. C'est tout toi de laisser à quelqu'un d'autre le soin de tuer. Silence! C'est le Roi Soleil qui décidera de ton sort. Aloy, dire que je te suis reconnaissant serait bien en dessous de la vérité. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé Méridian. Et grâce à toi, justice sera rendue pour Ersa. Nous pourrons faire notre deuil, sans cette horrible incertitude. Je ne sais pas ce que nous serions devenus sans toi. Je ne veux pas l'imaginer. J'aimerais que tu restes définitivement à Méridian. Est-ce que Ersa et vous... Enfin... Tout le monde voit bien que j'ai des sentiments... Ou avait des sentiments. Elle ne me donnait pas que des conseils. Elle me donnait de la force. Mais nous étions maudits. Les relations entre les Kharja et les Oseram à Méridian étaient trop compliquées. L'union d'un roi soleil et d'une guerrière Oseram aurait inévitablement provoqué une rébellion en ville. Et sans aucun doute une guerre de clans. Est-ce que quelqu'un savait ? Quelqu'un, oui. Derval. Il aimait Ersa, mais elle l'avait rejeté. Et toute cette jalousie est devenue un motif supplémentaire à sa haine. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va advenir de Derval ? Pour l'instant... Il croupit dans l'un des anciens cachots sous la fosse, ici à Méridian. Quant à ce qu'il attend quand nous aurons négocié son extradition à Primesource, je ne veux pas y penser. Mon père avait beaucoup d'imagination en matière de torture. Mais les Oseram ont des instruments qui dépassent ses pires idées. Quel gâchis. Derval est un homme brillant. Je me demande ce qu'il aurait pu accomplir si mon père n'avait pas existé. Pourquoi vous voulez que je reste à Méridian ? Il me semblait que c'était évident. Pas pour moi, non. Eh bien, pour commencer, tu as évité que notre ville soit anéantie. Tu es forte, rusée et très douée. Il serait bien que j'aie quelqu'un comme toi à mes côtés. Merci pour cette proposition, mais je ne crois pas que vous ou moi soyons prêts. Du moins, pour l'instant. J'ai encore du chemin à faire avant de trouver ce que je cherche. Et ce chemin m'emmènera loin de Méridian. Bien sûr. Je ne présumais de rien. Tu es indépendante. Tout comme Ersa. S'il te plaît, souviens-toi que tu es toujours la bienvenue. J'espère que ce jour n'est qu'une aube pour nous, et non un adieu. Il est temps que j'y aille. Bien sûr. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, et si besoin, je serai là pour t'aider. Aussi sûr que le soleil brille. Aloy,
J'étais en train de penser à Ersa. Elle aurait abattu Derval. Je le sais. C'est pour ça qu'elle est allée le voir, pour l'éliminer. Elle m'a aussi dit de grandir. J'avoue que ça m'a fait mal sur le coup, mais je fais de mon mieux. Et grandir, je crois que c'est faire passer son devoir avant ses envies, non ? C'est à moi que tu demandes ? T'es plus vieux que moi, pourtant. Oui, mais je fais n'importe quoi. Pas avec Derval. N'en sois pas si certaine. J'ai quand même bien envie de me glisser dans son cachot pour l'étrangler. Oui, mais non. Tu es un bon capitaine. Oh, arrête. Tu vas me faire pleurer. Et après tout ça, quel va être le programme d'Eren de l'avant-garde ? Je vais rentrer à la requête pour un temps, puis retrouver ceux de mon clan et honorer la mémoire d'Ersa. De vraies funérailles. Bien à son image. Moins de discours, plus d'alcool. À ton avis, qu'est-ce que les Oseram vont faire à Derval ? Déjà, ils vont se disputer pendant un moment. Et quand ils auront décidé, il souffrira. Je vais pas m'en plaindre. D'ailleurs, ça se pourrait que je passe le voir dans sa cellule pour lui rappeler ce qui l'attend. Bon. Je sais, faut que t'y ailles. Des tueurs à traquer, des machines à dompter et au pas de course. Tu sais quoi ? Quand on s'est rencontrés, je me prenais pour un gars important qui baratinait une jolie fille au milieu de nulle part. Mais je me rends compte que j'ai eu de la chance que tu m'accordes une minute. Essaie de pas m'oublier pendant que tu seras occupé à changer le monde. J'aurai toujours une minute pour toi. Peut-être même deux. Deux ? Elle m'aime bien.